Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle locomotive diesel de la marque Picot de la gamme Hobby et mes tout nouveaux wagons B modèle des chemins de fer belges qui viennent juste d'arriver. On se retrouve juste après le générique. Voici une photo de la locomotive en 3 rails digital, livrée Lineas Époque 5. C'est une série limitée pour la Belgique de 2019. Lineas est une société belge qui a été créée en 2017 et s'occupe de trains marchandises entre la Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. En 2020, Lineas avait 250 locomotives et 7000 wagons. Petit bémol sur cette locomotive, Picot l'a créée sur une base de la G1700, ce qui est totalement faux. Cela y ressemble, mais là devrait être la Vosloo type 77. Donc il s'agit d'une locomotive de la gamme Hobby et non de la gamme Expert et a été vendue pour 180 euros. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on continue avec la première petite vidéo. Oui, en effet, j'ai acheté plusieurs coffrets de wagon. Je vous donne la référence à la fin de la vidéo avec quelques photos. Et on continue avec quelques photos en détail de la locomotive 7789 de Lineas. Topographie est bien faite. Et les bougies et marche-pieds auraient pu être mieux, plus détaillées peut-être. Les grilles d'aération sont bien visibles avec le ventilateur. Ici, on voit les LED avant. Elles illuminent uniquement en blanc. La cabine de pilotage n'est pas très bien détaillée, ni d'éclairage cabine. En même temps, pour le prix, vous me direz, c'est correct. Voici également les trois feux arrière, également fonctionnent qu'en blanc et selon le sens de marche. On continue avec les wagons B modèles, tout frais, tout neuf qui viennent de sortir. Voici la référence, avec un superbe chargement de ferraille rouillée en tout genre. Idéal pour faire un train complet avec des wagons CFL Cargo, DB. Il y a deux wagons par 7 avec deux numéros d'immatriculation différentes. Et B Model a fait deux coffrets, coffret A et coffret B. Avec des bogies Y25, très belle réalisation. Et puis on continue avec une deuxième vidéo. Le train de ferraille passe en gare et croise une double traction CFL Cargo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi vous serez averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. On continue avec la troisième et dernière vidéo. Le chargement de ferraille donne vraiment bien. Et comme promis, voici quelques photos de détails de ces wagons B modèle. Le chargement est très bien représenté, vendu au prix de 57 euros par 7, emballé dans un emballage en styropor. Le point positif, on voit ce qui est dans le coffret. Voici les références des coffrets. J'ai acheté deux fois le coffret A et deux fois le coffret B. Livrée verte CFL Cargo, époque 5. Belle topographie. Les leviers et crochets sont mis en couleur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like ou un commentaire, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, cela me motivera à continuer. Bye bye!